Hello les amis, j'espère qu'on se retrouve en forme avec toujours beaucoup d'appétit et de motivation pour cuisiner. Alors, bienvenue de nouveau sur la chaîne, j'espère que ma chaîne vous apportera un petit quelque chose en cuisine. Aujourd'hui, je vous propose de faire des chips de banane bien vertes, des chips super bons pour changer un peu. Des chips de la grande surface. Sans trop tarder, je vous montre comment je procède. Pour faire du coup nos chips maison, il faudra des bananes vertes, bien vertes. Donc là, moi, j'en ai pris deux, mais vous prenez la quantité dont vous avez besoin selon vos besoins, bien sûr. Ensuite, pour couper mes bananes vertes, je vais couper ça avec la mandoline. Mais un couteau fera bien l'affaire pour assaisonner ail, paprika, curcuma et du sel. Mais bien sûr, vous mettez ce que vous voulez comme épices. Et pour éplucher mes bananes, j'ai mon petit affaire, les éplucheuses de bananes, vous connaissez déjà, chacun son petit truc pour éplucher. Donc pour éplucher, pour vous faciliter la tâche, si vous en avez beaucoup, vous pouvez mettre les bananes dans de l'eau bien chaude. Et vous allez voir, pour éplucher, ça sera plus rapide et plus facile. Moi, vu que j'en ai que deux, j'ai pas mis ça dans l'eau chaude. Et vous voyez, ça le fait très bien. Et ça va vite. Après, j'ai l'habitude de faire. Ceux qui n'ont pas l'habitude vont un peu galérer. Mais c'est une affaire qui se fait en 2-2. Donc, j'enlève bien la peau verte de cette façon. Après, je viens gratter un petit peu les petits trucs qui restent par-ci, par-là. Ensuite, je viens gratter la banane de cette façon, juste au-dessus pour la rendre bien lisse. Voilà. Tout simplement, rien de compliqué. Après, ça, c'est ma façon de faire, mais il y en a beaucoup qui ne la grattent pas. On la laisse comme ça, mais moi, je la gratte pour la rendre bien lisse. Et après, ce que je vais faire, je vais aller rincer les bananes avant de venir les découper. Parce que là, en les grattant comme ça, ça devient un peu collant. Donc, je vais la rincer à l'eau claire, à l'eau froide. Et je reviens tout de suite pour continuer. Donc, une fois vous en rincez, là, je prends du sopalin. Je viens bien essuyer l'excédent d'eau avant de les couper. Voilà, de les découper. Donc, j'enlève bien l'excédent d'eau. Et après, on va passer au découpage. En tout cas, bienvenue de nouveau sur la chaîne, les amis. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager, d'activer la cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos. Donc, pour avoir des jolies tranches, on peut allonger la banane. Regardez. Comme ça, pour avoir ça. Donc, on l'allonge un petit peu. Sinon, vous la mettez bien droite et puis... vous coupez vos bananes. Après, au couteau, vous pouvez faire le design que vous voulez, bien sûr, à vos chips. Donc, moi, je fais comme ça. Après, je vous dis, faites attention à la mandoline. Ne faites pas comme moi parce que ça mange les doigts, ces mandolines. Donc, voilà mes petites tranches de bananes qui vont me servir pour faire mes chips. Et je continue avec l'autre. Donc, en deux temps, trois mouvements, c'est gratté, c'est fait, c'est calé. Mais comme je dis, si vous n'avez pas la mandoline, prenez votre couteau et coupez vos bananes. Ça va le faire très bien. Mais essayez de les faire vraiment de fines tranches pour avoir des bananes bien, des chips de bananes bien croquants. Voilà, donc une fois avoir fini, ce que je vais faire, je vais les mettre directement dans mon bol. Regardez, donc il y a différents, il y a les ronds ou sinon il y a les plus allongés. En tout cas, c'est pas grave. Ce qui compte, c'est les chips. Donc là, ce que je vais faire, on va épicer directement comme ça. Je ne les lave pas. Je les mets directement dans le bol et je viens épicer. Donc, vous mettez les épices que vous voulez. Si vous n'aimez pas trop les épices, vous pouvez mettre que du sel. C'est très bien aussi. Là, je viens donc, secouer comme ça afin que chaque morceau de banane puisse être assaisonné. Et après, vous pouvez mettre la main et décoller. Parce que regardez, il y en a qui se sont collés entre elles. Et on les décolle pour que tout soit bien assaisonné. Donc moi, j'ai mis du curcuma juste pour la couleur, pour avoir une belle couleur. Et le paprika, mais sinon, vous mettez ce que vous voulez. Ou sinon, même sans épices, la banane verte, frite
et très bonne à manger. Donc, avec ou sans épices, il y aura quand même du goût. Donc voilà, après avoir bien assaisonné, passons à la friture, les amis. Donc là, c'est de l'huile d'olive, de l'huile, pardon, de tournesol bien chaude. Là, je vais mettre mes bananes. Moi, ce que je fais, je les mets vraiment une par une pour pas qu'elles se collent entre elles. Et une fois avoir mis toutes les bananes une par une, je viens avec ma fourchette essayer de les décoller hein, pour pas qu'elles se collent entre elles. Vous voyez, je les bouge un petit peu par-ci par-là. Après, moi, j'ai pris une petite poêle. Si vous avez vraiment une grande poêle, vous pouvez tout mettre d'un coup et ça va faire l'affaire. Mais moi, volontairement, j'ai pris une petite poêle. Oui, j'avais le temps à perdre. Donc, après, on vient les retourner. Et quand ça sera prêt, vous allez le voir de toute façon à vue d'œil. Quand ça sera bien croquant, vous allez le voir et l'entendre quand la fourchette sera en contact avec les morceaux de banane. Après avoir fini, une fois bien bien croquant, on va enlever les chips, bien sûr. Donc vous prenez un papier absorbant et vous enlevez l'excédent d'huile et vous posez pour que l'excédent d'huile puisse aussi partir sur avec le papier absorbant. Enfin, je sais pas si c'est du français que j'ai dit, en tout cas vous aurez compris. Donc voilà, rien de plus simple pour faire ces chips de banane maison, les amis. Donc là, je vais continuer à faire frire ce qui me reste et moi je vous retrouve du coup pour le résultat. Donc vous voyez, je fais vraiment ça minutieusement pour pas qu'elles se collent entre elles, sinon on n'aura pas des chips bien croquants. Bref, du coup, à tout de suite pour le résultat. Et voilà les amis, là j'ai fini de faire frire mes bananes. Écoutez le bruit. J'espère que vous entendez ce que ça donne en bruit. En tout cas, on a des chips bien, bien zo. Écoutez. Vous entendez? Bien croquant. En tout cas, pour regarder les matchs et attendre les résultats des votes. C'est super. Donc, voilà les amis. J'espère que mon petit partage du jour vous aura plu. Franchement, pour changer des chips de la grande distribution, c'est vraiment très belle, c'est un très bon alternatif. En tout cas, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager et surtout de commenter. Vos commentaires sont essentiels pour faire décoller la chaîne et surtout activer la cloche pour ne rien rater sur ce point.